Bonjour Nanette. Alors c'est par une froide matinée brumeuse qu'on va faire les premières images sur le test du Titan Pro de Marie Agri. On lui a préparé un petit peu de grain à moudre. Je vous montre tout de suite, après on fait un plan séquence. Alors, donc, je l'ai mis ici pour que les copeaux puissent se diriger là-bas. Et je vous montre, donc on a quand même un peu de grain à lui faire moudre, avec du beau diamètre quand même. Le gros avantage du Titan Pro, c'est sa large ouverture. Il y a une ouverture extra large, et ça je vais l'essayer et après test. Donc je vais le tester. Je vais le tester avec déjà tout ce lot de branches là, mais bon, il va faire quasiment un mois à fond parce que pendant ce mois-ci, je vais quasiment pas utiliser le broyeur sur le châssis routier. Donc même sur les chantiers conséquents, je vais essayer de l'utiliser à lui, voir vraiment ce que ça vaut dans la durée et puis dans le rendement chantier. Mais normalement, ça devrait être pas mal du tout parce que il y a forcément 23 chevaux Vanguard derrière. Il y a une large trémie d'entrée, donc des branches. Et donc le rouleau d'inertie, il est assez lourd parce que c'est un rouleau mixte. On peut mettre donc des couteaux et également donc dessus des marteaux. Donc forcément, ça apporte de l'inertie et de la puissance à tout combiné. Et ça devrait pas être mal. On passe ça en image tout de suite. Trêve de mots, on passe aux pratiques. Et si vous êtes nouveau ici sur la chaîne, songez à vous abonner. Et ouais, parce que je fais de la super vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc.
Il nous a usé. Ouh. Eh ben, ça dépote quand même très 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 fort. Là, je lui ai passé des morceaux qui faisaient, qui faisaient 10-12 quoi. Qui faisaient 10-12 sur du long. J'ai même du mal à retenir un petit peu pour faire office de nos stress. Mais là, ça va. 23 chevaux, il fallait s'y attendre. Mais je crois que ce qui fait beaucoup quand même, c'est quand même le fait du rotor à grosse inertie, parce que c'est un rotor mix, comme je vous ai dit, avec la possibilité de monter couteau et fléau dessus. Alors je ne vais même pas me dire ce que ça peut donner quand ce sera, quand les fléaux seront dessus. Là pour le moment, il est équipé qu'en couteau, vu que je fais du bois. Mais par contre, pour tout ce qui est haie ou déchets d'élagage un peu plus standard, les couteaux pour pouvoir faire du croyard, du bois défibré, c'est quand même les fléaux plutôt pour faire du bois défibré, c'est quand même pas mal. Bon ben là, c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant, on dit. Ouh. Heureux, non ?